Tadjahao. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais vous parler de Prang, Lu, Ji et An, quatre actions fondamentales du Tai Chi Chuan, notamment qu'on retrouve dans la poussée des mains. Et pour ce faire, j'utiliserai à nouveau la bande élastique pour ma démonstration. Et avant cela, pensez à vous abonner à ma chaîne de façon à être notifié des prochaines vidéos. Prang, Lu, Ji et An sont quatre actions fondamentales qui en fait appartiennent à un groupe de huit actions qu'on appelle parfois les huit portes, Parman. Et Prang, Lu, Ji, An constituent quatre portes principales qu'on appelle en chinois Si, Zhen. Les quatre autres portes étant des portes secondaires que l'on place dans des coins dans la théorie du Tai Chi Chuan. Donc ce sont des actions que l'on retrouve notamment dans les Tui Shou, dans la poussée des mains, mais pas seulement. Ce sont en fait quatre actions fondamentales du Tai Chi Chuan. La plus essentielle est Prang, et elle est d'ailleurs nullement limitée à une technique, mais c'est en fait la mère de toutes les techniques, et elle se retrouve en permanence dans la pratique du Tai Chi Chuan. Il n'y a pas de Tai Chi Chuan sans Prang. Ces termes sont généralement traduits de la façon suivante. Prang, traduit par parer, mais ce qui est selon moi une grosse erreur. Je préfère personnellement la traduction de déraciner, même si elle non plus n'est pas totalement satisfaisante. Lu, traduite par tirer, ti, par presser, et an, par appuyer vers le bas. Ces quatre actions fondamentales sont en fait orientées dans des directions différentes. Prang est une force qui monte, qui est ascendante. Lu est une force qui passe sur les côtés et vers l'arrière, donc soit à gauche et vers l'arrière, ou à droite et vers l'arrière. Ji est une force qui avance, et An est une force dirigée vers le bas. Comme je l'ai dit, ces quatre forces fondamentales se retrouvent fréquemment dans le travail de la poussée des mains, le Tui Shou. Notamment, ces quatre forces se répondent les unes aux autres. Une force va annihiler une autre et la transformer. Par exemple, sur un tiré, sur un lu, on répondra par un ti, avancé, en pressant. Et sur ce ji, le partenaire pourra répondre par un an, appuyé vers le bas. Je vais maintenant illustrer ces quatre forces fondamentales grâce à l'utilisation des bandes élastiques. Prang, Lu, Ji, An. Voilà, j'espère que cette démonstration et ces explications vous ont intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire au bas de cette vidéo vos questions, vos remarques, de façon à entamer une discussion sur ce sujet.